Aïe, 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 il paraît-il que le téléphone ne veut plus, hein? Alors, pourquoi? Ah, je n'ai pas fait tous les exercices. Donc, tu fais, je l'ai fait par là. Maintenant, il faut faire par là. Non. Voilà. Et maintenant, je crois que je t'ai montré l'autre là. Et maintenant, je t'ai dit, hein, quand on dit qu'on travaille le corps à la maison, c'est comme si on était à la salle. Donc maintenant, là, comment dire, cher ami, tu t'écartes comme ça. Voilà. Ce côté, tu reviens. On revient au milieu. On revient. Alors, on se lève doucement. Tu peux faire l'autre là juste 4 fois, 2 fois de ce côté, 2 fois de l'autre côté, et tu te lèves. Maintenant que tu as fait ça, tu peux détendre comment, les omoplates, hein, la nuque, en faisant ceci. Je crois que tu me vois. Tu t'écartes. Et puis, tu te lèves doucement. Tu te lèves doucement. Voilà. Tu ne vas pas aller vite comme moi parce que je vois que la vidéo veut couper déjà. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Et voilà. Comment dire? Je vais juste détendre mes pieds. Normalement, je devais commencer par ce geste. Par ce geste. Mais j'ai coupé parce que je vois bien que. Je ne sais pas moi comment vous dire. Il faut mettre les mains comme je l'ai mise là. Faut aller à ton rythme, hein. Là, nous sommes en train de travailler presque. Presque le ventre. Les membres supérieurs, inférieurs. Les fesses, les fessiers. Est-ce que ça te va? Tu aimes bien? Mais je pense que ce serait la moindre des choses que l'on peut faire sans toutefois dire que tu vas dépenser de l'argent. Oui. Donc, moi, quand je vais jusqu'à un niveau, je vais. Non. Je vais détendre mon dos. Détendre mon dos et mes reins. Donc, on va inspirer en descendant. Non, on va descendre. En montant, on inspire. Voilà. Je descends. Je descends.
En montant, j'inspire. Et j'expire. Donc, je descends. Regardez comment je descends. Ça, c'est pour masser tes reins, tes organes et mon toit qui te fait sortir les déchets. Donc le masser, c'est pas comme on masse le corps. On le fait puisque c'est un organe qui travaille, qui a un rôle trop important. Pas que d'autres organes n'ont pas de rôle. Mais pour le masser, tu ne le vois pas. Il faut donc faire des exercices qui correspondent pour le masser. Donc, il faut donc masser en descendant. Voilà, cher ami. Je dis bien, chaque fois, on peut faire des petites pauses qui vont juste te laisser le temps de respirer. Je ne peux pas mettre ce programme. Ceux qui voudrions bien, peut-être, on pourra le faire en direct. Si vous aviez aimé, pour qu'on essaie de faire tous les exercices pas à pas. En direct, je pense que d'autres gens pourront bien... Ou encore moi, je pourrais bien le faire, faire la totalité de ces exercices. Parce que moi, je ne vais pas à la salle, mais je fais les exercices je fais mes exercices à la maison jusqu'à bien transpirer. Pas le genre là que je vais attendre que... Je vais aller à la salle avant de transpirer. Non, je fais mes exercices moi-même à la maison. Et il n'y a pas de problème. Alors, tu veux maintenant étendre ton dos. Je ne sais pas si tu vas me voir. Tu vas faire ceci. Hein? Voici ton dos. Tu vas baisser. Comme si tu voulais mettre l'eau dans le creux. Et tu relèves. Tu relèves en soufflant. Tu inspires. Je ne sais pas si tu m'as bien vu, hein. Parce que tu veux détendre ton dos, tu vas, je pense pas que tu me vois, tu vas, voilà, c'est mieux comme ça, tu vas faire ceci. Voilà, chers amis, je pense que ça pourra t'aider aussi parce que vous savez que je partage tout avec vous. Si tu as aimé, il faut liker, il faut partager. Et puis quand on fait ces exercices, on fait avant d'aller prendre une douche. Lorsqu'on a fait ces exercices, on ne prend pas la douche avec de l'eau chaude. Tu mets carrément l'eau froide, un peu chaude, mais pas vraiment.
Et puis, tu vas voir comment tu vas te sentir vraiment léger, bien la semaine. 30, 45 minutes, 30 à 45 minutes chez toi, sachant ce que tu fais, vraiment c'est très important. C'est pourquoi je parle de ma routine de quotidien du bien-être les week-ends. Alors pour toi, je pense que nous le ferons tous ensemble pour garder le bien-être qu'on a besoin de la chouchouter pour qu'elle puisse nous porter pendant longtemps. Allez, cher ami, je te souhaite un très bon week-end. Comme je vous avais dit, je suis pas chiant, moi. Je vous ai dit, hein. Donc, je te souhaite un très bon week-end et à bientôt. Bye!